Bonjour à tous, voilà, je suis ravi de faire partie des 5 nominés des trophées des acteurs du sport dans la catégorie business et développement. C'est une énorme chance pour nous de pouvoir promouvoir le e-sport et la Ligue des Pays de la Loire d'une nouvelle manière. Concernant notre projet, c'est un projet qui est innovant et nos objectifs ils sont simples, de pouvoir toucher un nouveau public, un public qui peut être très très large, mais aussi de promouvoir le sport pour tous puisque le e-sport est accessible à tout le monde, animer le territoire d'une nouvelle manière, à travers des événements notamment, et aussi d'accompagner les clubs et les structures comme les comités dans cette démarche de développement de cette pratique innovante. Nos actions, elles sont plutôt simples et concrètes. Nous avons décidé donc de créer en mars 2021 une commission régionale, une première en France, mais aussi notamment l'organisation de tournois diffusés sur différents réseaux sociaux, une coupe régionale e-sport qui a vu le jour sur cette saison et qui a très très bien fonctionné notamment avec un partenaire privé. Mais aussi, donc la dernière chose, l'accompagnement des structures comme les clubs et les comités dans le développement de cette pratique. Pour l'année prochaine, nous allons mettre en place une labellisation régionale pour promouvoir la pratique de manière sécuritaire. Pour nous, les trophées des acteurs du sport, c'est une super opportunité pour pouvoir promouvoir le e-sport, mais aussi de pouvoir montrer que la Ligue des Pays de la Loire de basketball est présente aussi sur le territoire national. Et c'est aussi une consécration, puisqu'on peut prouver que notre projet est peut-être un des plus innovants qui puisse se faire sur l'ensemble des candidats. Et on est ravis de pouvoir profiter de cette nomination pour pouvoir développer le e-sport. À très bientôt à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup et à très vite. We'll be right back.